La récolte des olives commence par la pose de filets qui vont recevoir les olives qui tombent. Les filets sont ensuite cousus ensemble à l'aide d'une machine afin de faire qu'un seul filet qui recouvrira tout le dessous des oliviers. Le collage des olives s'effectue de diverses façons. Une fois les olives récoltées, elles sont acheminées au moulin dans des caissettes. Là, elles sont pesées. Les olives sont déposées sur la trémie. Ensuite, elles sont acheminées par un escalator vers le lavage à l'eau froide afin d'éliminer toutes les impuretés. Étape suivante, la trituration s'effectue à l'aide d'un broyeur à marteau qui remplace les meules en pierre des anciens moulins. Le malaxage sert à faire sortir l'huile de la pulpe pour que la centrifugation soit meilleure. Il faut compter environ 45 minutes. Ici, nous avons la centrifugeuse décanteur horizontale. C'est elle qui va séparer le liquide du solide par centrifugation. Le résultat coule ici dans le bac. Le liquide obtenu va être acheminé vers la centrifugeuse verticale qui va séparer l'huile de l'eau par la force centrifuge. L'huile étant plus légère que l'eau va rester en surface et de ce fait sortir propre et pure. Cette huile peut être consommée de suite ou être mise en fût de stockage avant d'être mise en bouteille. Il faut environ 1h30 pour faire tout le processus de transformation. 5 à 6 kg d'olives sont nécessaires pour faire 1 litre d'huile. La variété locale est le caillotier, monovariété, aussi bonne pour l'huile que pour les olives de table. Le magasin du moulin vous propose tous les produits issus de l'olive.